Hello, how are you doing? One, two, three, let's switch this up. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Bienvenue dans un weekly vlog. J'ai décidé de faire comme ça pour ce mois-ci. On va voir combien de temps ça dure. Voilà, on va pas trop s'enflammer. Donc aujourd'hui, c'est le lundi 31 octobre et il est 8h55. Je commence par publier un réel sur l'atelier digital et après je vous fais un petit point rapide de ce qui s'est passé et de ce qui va se passer. À quel point je me fais belle pour les réels, à quel point je me fais pas belle pour vous là. Partager. C'est la première fois que je fais un réel dans ce style là. Je suis un peu stressée, genre je sais pas comment ça va prendre, si j'ai bien fait. On teste des choses cette semaine. Attendez, faut qu'on fasse un point. Ce qui se passe, c'est que je connais actuellement le premier down de l'entreprise, mon parcours entrepreneurial. J'appelle ça un down parce que c'est pas un échec à proprement parler. Je veux dire, j'ai pas des contrats qui se sont terminés, j'ai des contrats qui se sont rétrécis, si je peux dire. Ce qui est ok. Ce qui fait que du coup, ça me challenge pas mal. Enfin décidé de sortir la tête de l'eau et de bombarder ma communication, voilà, de me blinder. Je veux vraiment exploser ce mois-ci. J'ai revu mes priorités entièrement, j'ai revu mes objectifs, j'ai revu également quelques petits trucs perso du style à qui je peux parler business, à qui je ne veux pas parler business, sans que ça entache l'amitié et la relation que j'ai. Hein. Et il y a des personnes avec qui tu peux, il y a des personnes avec qui c'est pas constructif. Et ça ne vaut pas le coup, et même si vous devez vous demander quel est le rapport, honnêtement c'est un énorme rapport puisque ça joue beaucoup sur l'humeur, sur la façon de voir les choses, voilà, bref, il s'est passé beaucoup de choses finalement. Donc ouais, on est sur un nouveau départ, j'ai envie de dire, qui ne peut que faire du bien et qui ne peut que m'apprendre des choses. C'est pourquoi aussi je m'attelle au weekly vlog pour ne pas me charger trop avec deux vidéos par semaine, mais tout de même faire des updates. Donc en fait je vais vraiment mélanger le fait de vous montrer mon travail et le fait de montrer ma vie, d'où le nom weekly vlog. Ouais, je n'ai rien inventé, voilà. J'ai envie de tout manger. C'est incroyable. Là, je vais préparer des stories que je veux publier demain. Il faut que je tourne un réel que je veux publier mercredi. Et après, il faudra que je sorte un peu. J'ai des objectifs pour ce mois-ci. J'aimerais sortir de chez moi tous les jours. J'ai un autre objectif que j'ai quand même bien commencé, c'est d'écrire le matin. Enfin, pas forcément le matin, mais en tout cas d'écrire mes émotions. Et après, bon, évidemment, j'ai d'autres objectifs, mais c'est en termes de business. Je me suis changée, j'ai mis un pantalon et des baskets. Parce qu'on va sortir, donc je pouvais pas garder et mon pull et la jupe, c'était horrible. Donc déjà, ça veut dire qu'on va remplir notre objectif qui est de sortir. Et on va aller déposer des colis Vinted. Non! Non mais il est complètement fou! Alors j'ai un carton, la chemise là-dedans. Ok, un colis c'est bon. Ok, dernier colis. Faire un truc comme ça. Oh, sympa! C'est super ça! Ok, on va pouvoir aller les déposer. Let's go! J'ai cassé toutes mes lunettes, il me reste que celles-là que j'ai achetées pour une soirée. Je veux dire, enfin, elles sont énormes, j'ai l'impression d'être Maëva Guénome quoi. Bref, j'ai mis tous mes petits trucs dans mon sac et direction la poste et mon gel relais. Okay.
j'ai publié mes stories, je suis toujours dans un down quoi. Je suis toujours en train de me demander si je suis sur la bonne voie. Peut-être que vous trouvez ça triste, mais c'est juste le quotidien de l'entrepreneuriat, honnêtement. Le téléphone a piqué la place de la caméra et je filme en cinématique si jamais ça intéresse. Avec 4K et 30 images par seconde juste ici, c'est vraiment le best. Genre, c'est vraiment trop quali. Si vous voulez aller voir sur le Insta de l'atelier digital, vous verrez le résultat. Donc, je vais aller monter ce réel et monter ce vlog. Bonjour, on est le lendemain et vous ne devez rien comprendre à cette tête. Bienvenue dans ma salle de bain. J'ai fait une heure de montage ce matin pour un réel que j'ai publié. Et ensuite, on est là, je me prépare avec un petit plot twist. Peut-être que certaines ont déjà compris. Je vais me couper une frange, voilà. Surprise. Bon après si vous me suivez sur Insta vous avez sûrement déjà vu. Bon comme je ne suis évidemment pas coiffeuse, je vais pas me les couper sur cheveux mouillés parce qu'à tout moment petit problème de taille, genre je coupe trop court et quand ça sèche c'est beaucoup trop haut par exemple. Donc c'est pour ça que je les lisse. Je sais pas trop dans quoi je m'embarque. Je pense que je vais apprendre au fur et à mesure à bien placer ma frange et tout. Genre, même là, en fait, c'est la même longueur, mais j'ai plus ce côté-là que ce côté-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire des photos du look. Ah, ça fait trop bizarre! Bon, j'ai clairement pas chargé beaucoup ma voiture, j'ai fini les photos, j'ai été à la poste, etc. J'étais super gênée de faire ces photos toute seule avec mon trépied parce que c'est la première fois et que... Je sais pas, c'est gênant. Et je suis tombée sur quelqu'un, genre qui était garé en diago de mon appareil photo, on va dire. Sauf que, bah, genre, je prenais face à moi et pas dans le sens, vous voyez quoi. Et il repart avec sa voiture et il s'arrête à mon niveau en mode si on voit si vous avez pris ma voiture en photo, vous. Du coup, je l'ai coupé à ce moment-là parce que je sais pas. Enfin, qu'est-ce qu'il aurait pu me dire, genre. Il n'y a pas à être agressif comme ça, bref. Et je lui ai dit, ah non du tout, genre je prends que moi. Là je me suis dit, il m'a saoulée, je vais être méga narcissique en mode, non c'est moi que je prends en photo. Bref, trop bizarre. Du coup en fait il a cassé mon délire et j'ai bâclé et je suis partie. Genre ça a duré vraiment 5 minutes je crois. Là du coup je vais rentrer, j'ai l'impression que je suis moi là. Enfin genre si, ça me plaît de ouf ce que je dégage. Mais qui est cette nouvelle personne? Je vous vois pas du tout avec ses lunettes. Enfin bref, on va rentrer et on va continuer de vaquer à nos occupations. Parce que là, tout le monde nous regarde. Bon, le cadre est super moche, mais c'est pas grave. On a dit action, réaction. Donc, je veux absolument envoyer un mail à Davy. Puisqu'elle a deux marques, un podcast et une chaîne YouTube. Je vais absolument du coup lui envoyer un mail pour me présenter. Et je voulais upgrade un peu la manière de montrer ce que je sais faire et tout. Donc du coup j'ai fait un site et je suis assez contente de ce que ça donne. Est-ce que vous allez voir? On dirait que je vous fais une présentation PowerPoint. En gros voilà j'ai fait un petit truc comme ça. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait sur Canva. C'est incroyable ce que Canva nous propose gratuitement. C'est vraiment dingue. Je suis trop contente. Et en plus, genre du coup, ça me permet de mettre des vidéos qu'on peut visionner. Genre si tu cliques dessus, là j'ai mis tous les liens et tout. Bah, par rapport au PDF, c'est beaucoup plus pratique. Et ça termine par un endroit où on peut prendre rendez-vous avec moi. Je suis trop contente, d'accord. Je trouve que ça fait hyper pro. Que, je sais pas, ça montre bien... Bah voilà, que je suis motivée à en découdre, j'ai envie de dire. Donc je suis trop contente, voilà. J'ai décidé d'aller travailler dans un café ce matin. Je sais pas trop si je vais oser filmer. Ça dépend s'il y a du monde, où est-ce que je suis installée et tout.
Voilà. Let's go. Vous dire que j'ai un peu regretté d'y être allée à pied parce que du coup quand je suis partie bon il y avait du vent mais là c'est pas qu'il y a du vent, c'est que c'est la tempête. Ah la tranche quand il pleut. J'ai fini tout ce que je voulais faire, j'ai tellement bien avancé, c'est incroyable de travailler dans un café. Franchement si j'avais le budget je serais tous les matins dans un café ou genre 3 par semaine et je sais que je ferais tout ce qu'il faut faire. Bon, bref, j'ai payé genre 2,60€ pour 2 cappuccinos. Je pense que je vais arrêter ce vlog maintenant. J'ai un peu le seum d'arrêter le vlog avec cette gueule, mais bon. J'espère que ce format vous a plu. J'espère vraiment, en vrai, parce que c'est ce que je compte faire toutes les semaines. Moi j'ai trop kiffé. J'espère que le montage vous a plu. Qu'est-ce que vous en pensez? J'y ai passé vraiment beaucoup de temps, mais je suis trop contente. Et puis je vous dis à lundi prochain à 7h comme d'habitude. Bisous, ciao. Bisous.